Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Eh bien, comment vas-tu mon cher Sterling ? Mais ça va bien Cooper, ça va bien. Oh, attends, c'est pas facile hein. Laisse-moi un petit peu taffer la jambe de droite. Oui, oh, c'est vrai qu'on était serré dans cet avion quand même Cooper. Laisse-moi taffer les bras, ouais je comprends bien mon petit Sterling. C'était pas facile hein. L'hôtesse était vraiment gentille à souhait hein. Oh, l'hôtesse était très gentille mon cher Sterling, elle était très gentille. Ah oui, bon. Aimable comme tout. Dis-moi Sterling, t'as déjà entendu parler de cette ville ou c'est la première fois pour toi aussi ? Alors c'est la première fois pour moi mon cher Cooper. J'avais entendu il y a quelque temps qu'il y avait eu un peu de conflit. Ah, hein. De la bagarre. Oui, dans le sens où juridiquement c'est une catastrophe cette ville, si tu veux mon avis mon cher Cooper. Oui bien sûr Sterling, mais c'est peut-être pour ça qu'on a été déplacé ici, non ? Oui c'est vrai. Bon. Bien vu. Est-ce que tu t'occupes d'appeler un taxi ? Allez, je me lance dans cette grande aventure. J'espère que les gens de cette ville sont accueillants. En tout cas. Ah ben on va bien voir. Alors, taxi, 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 voilà. En tout cas, mon cher Sterling, je vais devoir te parler d'une petite personne ici, dans cette ville. Oui, excuse-moi, mais tu me connais, hein, quand oui, j'ai oui, un message, vous me faites peur quand vous regardez votre mallette comme ça, Sterling. Oui, mais alors, c'est une technique. Regardez bien, j'ai mis mon téléphone juste au-dessus, comme ça, où personne ne voit. Bien sûr, oui, oui. Bah, voilà. Si je peux me permettre, mon petit Sterling, vous êtes un petit peu trop formel. Oui, je comprends bien. N'hésitez pas à lâcher cette mallette, voyons, pour regarder votre téléphone. Voilà, hein. Ne vous inquiétez pas, personne ne va vous la voler, on vient d'arriver quand même. Oui, mais j'ai pas envie de me faire voler mes outils de travail, vous comprenez bien, Cooper. Bien sûr, je comprends bien. Sterling, je vous ai déjà parlé de ma petite nièce, vous vous souvenez ou... Oui, bien sûr, Elfie. Exactement, Effie, Effie. Vous rajoutez toujours des petites lettres en plus, Sterling. Oui, c'est toujours oui, ce petit étonnant, truc hein, qui vous a causé des petits préjudices auparavant. Hein. Oh, attendez, on m'a envoyé une réponse instantanée. Ouh là 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 là, ça a l'air de bien bosser. Oh, ça a l'air de bien bosser. Bien, oui, ça c'est très bien, c'est très bien, mon petit Sterling. C'est très bien ça. Oui, c'est très bien, mon petit Sterling. C'est très bien ça. J'ai hâte de découvrir cette ville et ses habitants. Je te propose un petit truc, mon petit Sterling, d'ailleurs, au passage, pourquoi pas aller au commissariat, non ? T'en penses quoi ? Écoute, je pense Cooper, entre nous. Je pense que c'est une bonne idée dans la mesure où il faut faire tout de suite preuve de formalité. Hein, bien sûr. Afin de signaler notre présence. Bien sûr, pas trop de formalité, Sterling, entre nous. Hein. Oui, bien sûr. Pas trop de formalité, Sterling. En tout cas, j'ai hâte d'avoir nos premières affaires dans cette ville. Oh, mais ça, vous n'avez pas pris vos affaires. Sterling, un petit effort, réfléchissez, Sterling, s'il vous plaît. Ah oui, autant pour moi, autant pour moi. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Sterling, écoute, avez-vous des nouvelles de votre oncle ? Aucune nouvelle de ton oncle. D'accord. Oh. Je suis très surpris. Qui est-ce ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Là, bonjour, monsieur. Vous avez demandé un taxi ? Écoutez, oui. Il y en a qui montent à l'arrière, monsieur. Ça vous dérange pas ? D'accord, oui, bien sûr. Monsieur, vous avez... Enfin, permettez-moi de vous dire, je me présente, monsieur Rick Cooper. Avez-vous pris de la drogue, monsieur ? Monsieur, vous m'entendez ? Oui, monsieur. On vous entend, mais... Je vous entendais mal, excusez-moi. Ah oui, du coup, bien sûr. Oui, il faut qu'il y en ait un qui monte à l'arrière, si ça vous dérange pas. Oui, quand vous dites l'arrière, excusez-moi, mais... Alors, je me permets de me présenter, monsieur Rick Cooper, oui, accompagné de monsieur Marty Sterling, nous sommes avocats. Quand vous dites arrière, vous parlez de arrière, pas le coffre, tout de même ? Non. Non, mais c'est pas le coffre, c'est parce que faut monter par le coffre en fait. C'est une voiture. Comment ça faut monter par le coffre pour. Mon cher Sterling, est-ce que vous vous permettez ou. Oui, permettez-vous parce que là, je suis un peu. Je vais devant et je vérifie, vous me dites si le coffre est suffisamment à l'aise, mon cher Sterling. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais normalement, tout va bien se passer, messieurs, vous inquiétez Alors, pas. Je vais dans le coffre, c'est bien ça. Hein. Voilà, bah vous montez par le coffre. Excusez-moi, monsieur, vous êtes sûr que c'est pas un enlèvement ? Il y a tout de même un taxi juste à côté. Non, vous inquiétez pas, messieurs. Alors pourquoi il y a un taxi à côté, mais oui, c'est rien, Sterling, c'est rien, attrape ma main, Sterling. Il fait tout noir. Je vais vous expliquer, messieurs. Rassurez-moi, monsieur, votre coffre est propre tout de même, parce qu'il y a un petit peu maniaque, Cooper. Non, tout est propre, tout est... Oh, il y a un sandwich, Non, c'est pas vrai. Oh là là, jetez-le, Sterling, jetez ce sandwich. Non, ne mangez pas ça, monsieur Sterling. Monsieur Sterling, on va pas y arriver, on va devoir vous emmener à l'hôpital après. C'était pas un sandwich, c'était une plaquette. On est bientôt arrivé parce que c'est quand même. Il a mangé quoi, dites-moi, monsieur ? Du cannabis. Pardon, excusez-moi,
D'ailleurs, monsieur, vous avez l'air d'être un... Comment vous dites ici? Un gangsta, oui. C'est ça? Moi, ouais, je suis l'un des plus grands voyous de toute la ville, vous voyez. D'accord, d'accord. Tout le monde me respecte. Eh ben, je me permets déjà, avec tout le respect que je vous dois, évidemment, je me permets de vous dire que je suis avocat au gros barreau, n'est-ce pas? Accompagné de monsieur... On est deux, hein? Oui, mais bien sûr. Je prendrai votre numéro, alors. Voilà, n'hésitez pas à prendre notre numéro si vous avez besoin de nous pour une affaire et, évidemment, sortir de potentiels problèmes. On peut s'occuper de vous, monsieur. Ça m'intéresserait fortement. Par contre, monsieur, si vous permettez un petit... Dites-moi. Vous savez, l'article 80-21 sur les taxis... Sterling, nous ne sommes pas en affaire, Sterling. Laissez les choses de l'homme tranquille, s'il vous plaît. Oui, nous ne sommes pas en affaire, mon cher Cooper, mais je suis dans un coffre. Oui, mais c'est parce que dans cette voiture, je peux fumer pendant ma pause. Monsieur, vous pouvez nous emmener au commissariat, s'il vous plaît? Pas de problème, monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est rien, monsieur Sterling. Accrochez-vous un petit peu. Nous sommes bientôt arrivés, Sterling. Oh, superbe, superbe service. Merci beaucoup. On vous doit combien, monsieur? Attendez, je vais vous faire une petite facture. Hein. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir le coffre? Ah oui. Oui, mais c'est vrai qu'on va. Tout de même. Je me permets de reprendre d'ailleurs dans le coffre ma petite valise si ça ne vous gêne pas. Monsieur, ne bougez pas. Hop, voilà. Bon, vous allez bien, monsieur Sterling? Je dois vous avouer que c'était cocasse. Hein. Ah, je comprends. C'est le meilleur taxi que vous ferez dans la ville, monsieur, vous verrez. Je suis très surpris, mais très enchanté à la fois. Il n'y a pas meilleur. Bon. Dites-moi tout alors, adressez-moi cette petite facture s'il vous plaît. Si vous voulez, on peut faire moitié-moitié, mon cher Cooper. Oh, non, vous inquiétez pas, c'est pas très cher. Vous me direz dans quelle poche trouver cette petite facture si vous. Ah, c'est bon. Ouh là là, 750$. Parfait. C'est pas bon quand même, hein. C'est. Ouh là là. Attends, non, le trajet nous a coûté 750. Ah oui. Non, mais je vous ai fait un petit prix, normalement c'était. Ah, vous êtes bien aimable. Vous voulez mon numéro, monsieur? Ouais, je veux bien, ouais. Bon, écoutez, on compte sur vous pour nous appeler en cas de grosse affaire, évidemment. 2872. Et c'est monsieur Cooper. C'est Maître Cooper, avocat au gros barreau. 2872. Hein. Attendez, laissez-moi revérifier, je connais pas encore mon nouveau numéro. 2872, exactement, monsieur. Voilà. Et le, okay, et le mien, bon. Monsieur, je vous me permets de le donner. Sterling, je pense qu'un seul numéro. Autant les deux, on sait jamais si vous dormez comme ça. Non, personne ne dort. C'est le 5733. En vous remerciant chaleureusement. Merci, vous aimez bien, les gars? C'est bon, vous aimez bien pour l'instant. Et une merveilleuse journée, bien évidemment. Merci, vous aussi, messieurs les avocats. Passez une bonne journée, monsieur, et courage pour et prudence, la prudence, prudence. Merci. Hein, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Au revoir, très bien. Au revoir, monsieur. En tout cas, mon cher Sterling, ils ont l'air bien sympas, bien aimables ici. Hein. Un petit peu bizarre, ce véhicule de taxi. Oui, oui. Enfin, bon, c'est me peut-être bonjour, de, madame. De... Bonjour, enchanté, madame. Bonjour. Hop, hop. Il faudrait que j'envoie un petit message à ma nièce. Bouge pas, attends. Ne bouge je pas, ne Sterling, pas. Je m'en occupe. Ça va me faire plaisir de la revoir, celle-ci. Elle va bien d'ailleurs. Toi aussi, tu es concentré. Je comprends. En tout cas, il y a un. Maintenant petit que vous me dites ça, vous savez quoi? J'étais en train de me concentrer sur ma mallette et je me disais que la tâche n'était pas bien cousue. C'est pas faux. Bah oui, et ça vous savez que ça me tracasse un petit peu, mon cher. Écoutez, ouh là là, oh, dis donc, c'est le téléphone ça. C'est déjà. Ah je suis comment? Allô, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô tonton. Oui, qui c'est? C'est Effie. Effie, ma petite nièce chérie, comment elle va? Attends, c'est moi ou pendant une fraction de seconde, tu m'avais oublié? Mais non, mais bien sûr que non, je viens de t'envoyer un message, voyons. Non, c'est que on vient d'être déposé, voyez-vous, devant le commissariat, dans une voiture taxi, mais qui n'est pas vraiment taxi. Et je vous cache pas qu'on a un petit peu des courbatures, on attend le commandant, mais il n'y a pas grand monde. Donc, mon premier réflexe, c'est... Le commandant Soulac, c'est ça? Je ne sais pas, Effie, mais en tout cas, ça me ferait beaucoup plaisir de te revoir. Fin tonton, que j'aille chercher un truc à manger, t'es tout seul? Ah non, je suis avec mon collaborateur, je t'en avais déjà parlé dans divers mails, monsieur Sterling, avec oui, qui... Oui d'ailleurs, j'ai reçu ton chèque tonton, merci pour mon anniversaire. Mais y a pas de soucis, j'avais 20$ qui traînaient, j'espère que ça te fait plaisir ma petite Effie. Bah oui, ça m'a fait plaisir, j'ai pu m'acheter un menu comme ça, j'avais la dalle, en ce moment je suis un peu en déj de fric donc bon. Oh, en déj de, excuse-moi? Oh, j'ai des problèmes d'argent. D'accord, on se voit quand alors ma petite nièce? Te chercher maintenant si tu veux, je vais chercher un menu, un truc à manger si t'as. D'accord, il y a un agent de la police, je m'en occupe et viens près du commissariat. D'accord, à tout de suite, bonjour. Tonton. Attends. Oh, elle est adorable celle-ci, elle est adorable. Bonjour monsieur l'agent, comment allez-vous? Bonjour, ça va. Comment allez-vous avant tout? Ça va, vous devez vous accueillir comme ça et que j'étais pas mal, mais j'ai pas le choix. Oh, il n'y a pas de souci, vous savez, il n'y a jamais trop de sécurité ici. Oui, voilà, tout à fait, mon collègue a tout à fait raison. Vaut mieux faire passer la prudence avant la négligence, vous savez. Alors, je me permets de nous présenter.
je suis Maître Sterling et je suis accompagné de Maître Cooper. Nous sommes les nouveaux avocats de la ville et, et voilà, nous nous présentons à vous en bonne et due forme. Nous aimerions, si ça ne vous gêne pas, discutailler autour d'un petit bout de gras avec, avec le commandant, histoire de présenter nos fonctions et pourquoi nous sommes venus ici. Actuellement, l'état-major est très occupé, il est sur une opération, mais... Oh, rien de grave, j'espère. Je peux... Non, rien de grave. Seulement, je peux prendre vos numéros et vous recontacter assez simplement sous peu quand ils sont disponibles. Bien sûr. Bah, n'hésitez pas, vous voulez le numéro de Sterling ou de moi-même? Bah, les deux, ou si vous voulez prendre mon numéro et... Eh ben, donnons-nous tous nos numéros, je pense. Oui, voilà. Très bien. Bah, écoutez, donnez-moi vos numéros. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de très bons avocats, je vous conseille de nous contacter. Nous nous ferions un plaisir de vous aider dans vos démarches administratives, tout comme justiciales, n'est-ce pas, au gros barreau. Je penserai à vous si j'ai besoin de quelqu'un pour le gros barreau. Mais il n'y a pas de souci. Vous allez souvent au gros barreau, monsieur? Ah oui, ça m'arrive. Ça vous a... Je comprends. Si jamais ce gros barreau est vraiment, vraiment énorme, n'hésitez pas à nous contacter de ce pas. Nous sommes spécialistes du gros barreau, monsieur. Oui, bien sûr. Nous sommes avocats depuis maintes années. Depuis combien de temps? C'est pas trop discret. Une bonne quinzaine d'années maintenant. Oui, une bonne quinzaine d'années. Hein. Ah, 18 pour moi, pour être plus précis, et 15. Le Massachusetts, monsieur. Ah oui, c'est la campagne un peu, non? Effectivement, on m'a dit que dans cette ville, les gens avaient besoin d'avocats. Je ne sais pas pourquoi encore, mais bon, on va découvrir ça tout seul. D'ailleurs, me vient une réflexion soudaine, monsieur l'agent. Comment doit-on vous appeler? Agent, monsieur... 04. Vous êtes 04, d'accord. C'est ça, 04. Après, si je suis hors service, vous pouvez m'appeler monsieur Orlinski. D'accord. Monsieur Orlinski, mais très bien. Je vois. Si je suis dans un litige, pourquoi pas m'appeler client? Client, donc très bien. Clean, c'est ça, le clean, c'est comme disent les jeunes. Très bien. Comment, le, pardon? Le clean. Le clims? Qu'est-ce donc le clims? C'est le client, les racailles, elles disent ça. Ah oui? D'accord. Moi, vous savez que ma nièce m'a appris une expression, ma nièce qui est dans cette ville depuis quelques temps, on m'a pas... La pouki dans le sas. Alors la pouki, c'est ce qu'ils appellent les balances, hein, les gens qui bavent. D'accord, je vois, oui, n'en dites pas plus, c'est en delà de notre déontologie. D'accord. Alors donc, pour le nom, bah 04, monsieur Orlinski, c'est comme vous voulez. Eh bien, monsieur 04, c'est enregistré, merci beaucoup. On reprend l'attaché caisse, hop, et puis on est parti, on va pouvoir partir. Les numéros déjà? Oula. 3900. Monsieur Sterling, n'hésitez pas à poser votre attaché caisse, hein, quand vous regardez votre téléphone, encore une fois. Oui, c'est mauvais réflexe. Oui, je comprends. Dans le Massachusetts, c'est à la mode, vous savez. Oui, bah oui, je viens du même endroit. Très bien. Bah merci, monsieur, on compte vraiment sur vous dès que le commandant... Est-ce que vous pensez qu'un rendez-vous serait possible dans la soirée? Oui, auriez-vous une fourchette? Dans la soirée, plus vers minuit. Oui, bah c'est très bien, c'est dans nos horaires. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Pas de soucis. Passez une bonne journée. Mais passez une excellente soirée et prudence. À vous aussi. Merci également. Bon, Sterling. Déjà bien fait. Oh, Sterling, vous voyez ce que je vois sur mon téléphone depuis que je sors tout à l'heure? Oh, bah dis donc. Oui, je vois des choses et autres. Je vois Twitter. Est-ce que ça serait pas mal de faire un petit tweet, monsieur Sterling? Oh, l'idée Ah bah le capitaine est là, je vais dans le... Très bien, merci beaucoup. Un petit tweet, qu'en penses-tu? Eh bah écoute, je m'en charge immédiatement ou tu t'en charges? Eh ben, on s'en chargera un petit peu plus tard. Écoute, si le commandant arrive, ça serait dommage. Cette dame est blessée. Elle a peut-être besoin d'une affaire. Un soin quelconque, effectivement. Ou peut-être besoin d'un bon avocat, monsieur Sterling, je sais pas, On ne sait jamais, après tout, peut-être c'est une question aggravée. Charlie, tu pars. Ah, désolé, monsieur, j'ai juste de repartir, bah voilà, il est là. Eh ben, il n'y a pas de... Ah bah oui, il est parti vite, celui-ci. Il changeait juste de véhicule pour l'opération. Oh bah, c'est un commandant qui vit à... Et il s'agit d'une opération qui nécessite peut-être d'un avocat, monsieur. Je me pose la question ouvertement. Alors, une fois qu'ils seront le sous-sol, on vous appellera. Ah bah très bien. Bah écoutez, je compte sur vous, on attend de vos nouvelles d'ici une petite heure ou deux. Pas de soucis. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, vous êtes fort agréable. Vous aussi, en tout cas, je peux pas vous le dire. Merci beaucoup. Bon bah écoute, mon cher Sterling, on va peut-être pouvoir faire un petit tweet. Oui, bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement. Allez, je pose ma mallette. Bien sûr. Tu la surveilles, s'il te plaît, tu sais à quel point je suis
Ouais, on n'appelle pas sais, ça je sais, attaché Sterling, case. Je sais. J'y suis attaché à cette case. Bien sûr, je comprends. Voilà, je la pose maintenant. Bonjour. Bien sûr. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ah, ça va bien et vous? Ah bah écoutez, ça va très très bien. Écoutez. Ah ouais, vous avez des gras de papier vous? Ah, nous sommes avocats au gros barreau, avocat, monsieur. Avocat. Ah, c'est bien ce que je disais. Vous ouais, t'as vu le retour de la gorge. Ah bah non, mais nous sommes là pour aider tout bon citoyen. Vous êtes un bon citoyen, monsieur. Ah oui, tout bon citoyen, pas besoin d'avocat. Bon ou mauvais, ça vous savez. Monsieur, ça, vous savez, la vie est surprenante, monsieur. La vie est très surprenante. Ah, mais j'aurais peut-être un besoin d'un avocat, en fait. Bah oui, voilà. Dites-nous tout, on est là pour ça, monsieur. Je dois vous payer $1 pour que ce soit secret professionnel. De toute façon, c'est dans notre métier de garder tout secret. Ah, ok, d'accord. Oui. Grâce à moi, on a arrêté un grand brigand. D'accord, oui. Le vieil a arrêté un grand brigand, il m'avait promis 125 000 balles, ils ne m'ont pas payé. Alors, attendez, bougez pas. Notez ça, mon cher, c'est très intéressant. Ça. Je note, vous êtes monsieur... Charlie Woods. En une ou peut-être deux, trois fois? Charlie, c'est le prénom, je pense. Je l'ai arrêté une fois. Non, votre prénom. Charlie. D'accord, oui. Mm. Et mon nom de famille, c'est Woods. Ah, d'accord, c'est votre comme, nom de comme d'accord. Les bois, quelque part. Ouais, c'est d'accord. Ça, ouais, c'est ça. Mm-hmm. D'accord, donc dites-moi tout, monsieur Charlie Woods. Ouais, ben, il y avait un grand criminel qui était recherché. J'ai négocié pour Est-ce qu'on peut en savoir peut-être un petit peu plus? Bah, sur le nom du criminel, voyons, un monsieur. Un nom, ce monsieur. Ah, je sais pas, c'est un ancien policier, c'est un intrigue. Oula. Alors, oula, attendez, ouais. Parce que là, c'est... Que là, on rentre dans quelque chose de... Ah, de on pénètre quelque chose, mon cher Sterling, ouais, je dirais. Ah, oui, la Cooper, notez bien qu'il s'agit d'un dossier. Mettez l'étiquette verte pour ce dossier. Ah oui, nous pénétrons quelque chose, là, Charlie Woods. Donc, dites-moi un petit peu le nom, prénom de ce criminel. Bah, je sais rien, je sais juste son matricule. Ah, bah, dites-nous. 16. Très bien, je note. Donc, si je comprends bien votre histoire, monsieur, cet ancien policier vous a promu à faire quelque chose, n'est-ce pas? Non, en fait, c'est un ancien policier. Ouais, il voulait que je vole une arme, parce que je suis concierge au commissariat. Ah oui, d'accord. J'aille dans les saisies, lui voler une arme pour lui. D'accord. Et en fait, d'accord. C'était une personne qui était recherchée par la FBI. Ah oui, j'entends bien. Moi, j'ai négocié 125 000 balles pour que je les balance. D'accord. Et donc, est-ce que ça a été accepté de la part de la justice? Ouais, ça a été accepté. Est-ce que en termes, vous savez, dans le monde de la justice et de etc. Dans ce pays, une poignée de main fait office de contrat. Ah oui, c'était accepté par le monsieur Hazard du FBI. D'accord. Donc, si en effet il y a eu ne serait-ce qu'une poignée de main, dans notre état, ça fait office de contrat. Donc juridiquement, vous êtes engagé et au titre que cette personne, mon cher Cooper, qui s'est engagé à lui reverser la somme exacte. Ouais. D'accord. Et vous n'avez pas été payé depuis combien de temps à peu près, monsieur? Bah, ça s'est passé tout à l'heure. Il m'a dit. En fait, je vous explique. En fait, pour pas que je me fasse passer pour une balance, j'avais expliqué dans le bureau que j'allais faire une dinguerie pour éviter que je sois la balance, en fait. Et en fait, donc, du coup, j'ai pris en otage un agent avec une arme sans munitions aussi, hein, avec une arme sans munitions qu'ils m'ont fourni eux. Oula, attendez, vous êtes en train de me dire si je fais... Mettez l'étiquette verte, mettez l'étiquette rouge. Oui, attendez, parce que vous êtes en train de me dire qu'il y a des ripoux, comme on dit, évidemment. Non, Oh, comment elle va, celle-ci? Fais-moi un petit bisou, ça va ou quoi, ma nièce? Bah, oui, ça va. Oh là là. Tu vois pas qu'on est occupé? Oh, doucement, calmez-vous, je vais vous faire les présentations. C'est ton pote, lui? Monsieur, doucement, j'ai envie. Écoutez, c'est notre première affaire. Monsieur Sterling, je vais vous présenter ma petite nièce. Est-ce que vous pouvez vous occuper de monsieur Charlie, pardon? En même temps, vous êtes tout rabougré, vous ressemblez à rien. Oh, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, pas de. S'il te plaît, tu viens de retrouver ton oncle. Excuse-moi, tonton, je suis tendu aujourd'hui, vraiment. Tu viens de retrouver ton oncle et on est tous très tendus, hein, aujourd'hui. Sterling, peux-tu t'occuper de ce monsieur pour continuer l'affaire? Ben, enchanté, fille, enchanté à vous. Ouais, enchanté. Je vous la présente un petit peu plus tard. Venez, monsieur. Ouais, on va s'occuper de lui. Allô, fais chier, là. Ouh, lolo. Bah, dis donc, calmez-vous. Comment vas-tu, alors, toi? Ouh là là, regarde-moi ces petites joues, là. Elle mange bien, celle-ci, ça va? Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, dans mon petit sac, là, que j'ai sur ma moto, je t'ai ramené à manger. Je sais pas, t'as peut-être faim après l'avion. Oh non, on a bien mangé dans l'avion, hein, ma petite Effie, on a bien... Oh, t'as grandi, dis donc. Attends, mais qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Oh, mais ça te fait quel âge maintenant, dis donc? Ça fait 14, 15 ans, ça, non? Bah, j'ai quand même 25 ans. Oh là 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 là, ça passe vite, ça passe vite.
t'as... Ah bah c'est sûr, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus de nouvelles de toi. Oh là 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 là, et t'as des nouvelles du papa là ? J'en avais, j'en ai plus trop à vrai dire. Oui d'accord, mais pourquoi ? Si je te disais que d'un coup on est passé de... On roule en Lamborghini à... On roule en caravane, genre vraiment plus aucune thune, tu vois. Ok, 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 mais alors attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Ça va pas du tout ? Est-ce que Michael va bien déjà ? Attends, mais toi non plus t'étais au courant de rien ? Ah écoute, je suis au courant d'une seule chose, depuis que ma chère et tendre seconde nièce, H, malheureusement nous a quittés, mais sinon non, tu sais, moi tu sais rien qu'entre ton père et moi-même, c'est très délicat hein, depuis plusieurs années. Hein. Bah, en même temps, je peux comprendre, parce que quand j'ai vu comment il était réellement, même avec moi, c'est délicat. Hein. Ouh là là, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire ? Comment ça, comment il était réellement ? Il avait de l'argent, vous étiez bien ? Il y a tellement de choses que t'as loupé, tonton. Ouh là là là, il va falloir que tu me racontes ça. Tu sais qu'il est plus avec maman ? Mais non. Si elle l'a quitté, elle est partie avec un autre mec. Mais non. Mais dis donc, et elle est toujours en ville ? Non. Elle est plus à New York. D'accord. Et tu l'as pas vue depuis ? Depuis... ça va faire 2 ans. Ah d'accord. Et papa l'a tellement poussé à bout qu'apparemment elle est partie en disant « Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous, je n'ai plus de filles, allez tous vous faire enculer !» allez tous vous faire voir, excuse-moi tonton. Oui, non, mais y a pas de souci. Bah toi, entre nous, pas de ça, entre famille, hein. Moi aussi, de temps en temps, ça m'arrive de faire des petites escarmouches, hein, n'est-ce pas ? Et d'employer des mots tels que « putain » ou « merde », hein. Donc c'est pour te dire, ne t'inquiète pas, Effie, ici, voilà, hein. Mais tu fumes ou pas, tonton ? Oh, j'essaye d'arrêter, mais j'ai déjà fumé. J'ai déjà fumé quelques années, là, j'ai arrêté depuis 3 heures. T'es quand même moins dans le jeu, mon papa, quand je te vois, hein, parce qu'il a mal vieilli, hein. Toutes les personnes qui avaient pas de thunes, il est traité de tir au flanc. De tir au flanc, voyez-vous ouais, cela ? Ouais, genre, voyez-vous je l'ai présenté à mon patron, et tu vois, mon patron, bah, c'est un mec un peu chill, qui a jamais bien de chemise, bien toujours sûr, en oui, pantalon, oui, en jean oui, et tout. Oui, Il a dit, oh, c'est hors de question que ma fille travaille avec des tirs au flanc. Alors, pour la petite anecdote, ma chère Effie, tir au flanc était beaucoup utilisé par ta grand-mère, notre mère à tous, bien évidemment, hein, de ton père et moi-même. Et c'est vrai que c'était une expression qui a beaucoup suivi, ça fait longtemps que je ne l'ai point utilisé, mais venant de Michael, je ne suis point étonné. Ouais, bah ouais, mon père, rien ne m'étonne à vrai dire. Bah je vais pouvoir le voir quand d'ailleurs, celui-ci ? J'ai posé un avis de recherche il y a une semaine et je l'ai toujours pas revu. Aimez-moi d'un doute, Effie, mais ce que tu as là, sur le visage là, juste ici, c'est du maquillage, hein, c'est du maquillage qui a débordé. Tu n'as pas comment eu d'accident, tu n'as pas... Non. Non, tout va bien, tout va bien. D'accord. Donc j'ai pas dormi chez moi ce soir et mais, j'avais pas mes affaires et voilà. Mmh, quoi, tu as dormi où alors ? Chez un garçon. Oh, hey. Que jeunesse se fasse, comme on dit. Que jeunesse se fasse. Bon, tonton. C'est bon, on peut rigoler un petit peu. La carotte n'a pas visité le terrier. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, je voulais dire plutôt quelque chose du genre... Oui, le potager, on connaît, fille, t'inquiète pas. Dis-moi, j'ai vraiment hâte de te présenter Monsieur Sterling, hein, là-haut, mais tu connais cet homme... C'est lui qui m'a traité de grognasse ? Mais non, Monsieur Sterling, c'est l'homme à l'attaché-case, voyons. Jamais il se permettrait, j'ai tellement parlé de toi que... Non, jamais il s'en permettrait. Ah oui, donc c'est le clochard qui a dit ça. Clochard, écoute, Effie, tout de même, c'est l'agent de service, on va l'appeler l'agent d'entretien. Ah, t'es vraiment pas comme papa. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Oh, si je te racontais tout, je pense que tu ferais sûrement un malaise, et tu te relèverais, tu referais un malaise, et encore un malaise, et un malaise, et toujours. D'accord. C'est un peu ma vie, hein, depuis qu'il est revenu dans la mienne, à vrai dire. Oui, j'entends bien. Ah, mon cher Sterling, c'est bon ? J'ai le sentiment que nous sommes tombés sur une première affaire haute en couleur. Oh oui, je... vous inquiétez pas, monsieur Charlie, on va s'occuper... Est-ce qu'on peut s'occuper de monsieur Charlie avec le commandant, justement, vu que... Enchanté, monsieur Sterling, déjà. Enchanté, ma jeune Effie. Alors, sache que ton tonton m'a souvent parlé de... C'est moi qui me permets. Allez, check ça, Effie. Voilà, hein. Oui. Au bout d'un moment... Mais dis donc, tu deviens jeune, ça. Ah, écoute, je m'inspire depuis que je suis arrivé dans cette petite ville. J'ai appris ça chez les jeunes. Oui. Tu fais ça... Eastside. Ok, très bien. C'est pas chez les jeunes, c'est surtout chez les gangs, ça, monsieur. Ah oui ? Mais ah oui, je suis chef de gang, moi. D'accord. Ah bon, vous avez tout fait, si je vous écoute, monsieur. D'accord. Non, mais ça, c'est une blague. Monsieur, vous êtes au courant tout de même que si nous parlons au commandant de votre affaire et que vous avez essayé de nous opportuner pour essayer de soutirer de l'argent qui n'existe pas, vous risqueriez une condamnation, monsieur. J'ai des témoins, j'ai les deux capitaines témoins. Oui, oui. J'ai le lieutenant qui est témoin. Faire des faux procès juridiques, ça peut vous coûter
payer très très cher, monsieur. Ah non, oui, moi je fais pas des faux prochains. Hein. Moi je veux mon pognon. Et je veux des dommages et intérêts, je veux 2 millions de dollars. C'est beaucoup. Pour 16 000 dollars. Ouais, bah, j'aimerais bien avoir 2 millions de dollars. Tu le taxi à 800, c'est jouable. C'est jouable, Cooper. je comprends, Sterling. Écoutez, monsieur, on va parler de vous avec le commandant. On doit tout de même se présenter. Est-ce que, Sterling, tu as bien noté toute l'affaire? J'ai noté l'affaire. D'accord. Est-ce que vous avez un téléphone, monsieur Oui. Faisons ça de suite. Sterling, prends son numéro, s'il te plaît. Et je vais prendre le numéro de monsieur Woods. Apparition, disparition, j'étais parti uriner. Excusez-moi. Oui, voilà, c'est ce que je disais, fille, que tu étais parti au cabinet. Oh cabinet d'avocat. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oh, ma petite fille. Alors, dites-moi un petit peu ce que j'ai loupé, là, tout de même. Où est mon attaché caisse? Oh là là, tu me l'as gardé, mon Sterling? Oui, elle est là. C'est bon, c'est retrouvé. Ouais. Bon, ma petite fille, excuse-moi. J'étais parti en urgence parce que vraiment, ça poussait un peu. Effi? Elle est là. Regarde. Oui, je la vois. Suivez mon doigt, Effi. Ça va venir. Ah oui, vous m'entendez? Ah oui. Bien sûr. Oui. Mais pourquoi on ne t'entend pas, Effi? Bah, parce que des fois, vu que je fume beaucoup, j'ai des extinctions de voix. Donc... Oui. Ah, mais c'est pour ça que j'ai arrêté, justement. J'espère en avoir un petit peu non, moins. Non, mais ce soir, c'est un cauchemar. L'atmosphère. Oui. La pollution, certainement. Ça fait combien de temps que t'es ici, là? Ça fait 3 semaines que j'ai emménagé et papa m'a rejoint avec un énorme plaisir. D'accord. Comment c'était un énorme plaisir. Ah, j'étais très heureuse de le voir. Sterling, s'il te plaît, pas de paperasse entre famille. Hein. Oui, pas de paperasse. D'accord. Vous connaissez mon père, monsieur Sterling? Ah non, non. Ça serait un honneur de rencontrer votre cher papa. Oh non, Sterling, non plus. Tu sais que son père, c'est mon frère. Hein, donc, je t'avoue que j'ai déjà dit que j'avais quelques complications avec lui depuis qu'on se connaît. Hein. Donc, je serais pas si enchanté que ça, ma chérie. Sans offense, hein, n'est-ce pas? Après, revoir Michael, je dirais peut-être pas non, mais bon, je ne sais pas comment ça tournerait, hein, cette histoire. Bah déjà, là, il y a son associé qui va nous rejoindre, c'est devenu un ami à moi. Oh, d'accord. Il s'appelle JJ, hein, je sais que c'est... Alors, je te préviens, tonton, quand tu vas le rencontrer, tu vas te dire, qu'est-ce donc? C'est vraiment tout l'opposé de papa, mais bah finalement, il est pas si méchant que ça, quoi. Mm-hmm. Il arrive bientôt, normalement. Et si je puis me permettre, ma petite fille, il travaille dans quoi, cet homme? Il travaille dans la chips. Ah, pardon, j'aime la beaucoup. Chips, on a JJ! Des bonnes chips, c'est très très bonjour. Bon. Bonjour! Bonsoir, monsieur Chips, comment allez-vous? Je vous présente l'associé de mon père, JJ. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, JJ. Ça va, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur, enchanté, je suis le maître. Vas-y, c'est bah oui, l'informatique. T'es devenu mon meilleur pote, du coup. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, je te présente mon tonton. Moi? C'est moi, bonjour. Voilà. Bonjour. Bah oui, je vais très bien. Je me présente. Il s'appelle Rick, hein, Edge. Voilà, Rick Cooper. Et à ma gauche, mon associé, nous sommes avocats au Gros Barreau. Mon associé, monsieur Sterling, Marty Sterling. Marty Sterling, tout à fait. Donc, oui, JJ travaille dans les chips. Donc, monsieur, il paraît justement, c'est ce que me disait Magnès, vous travaillez dans les chips, vous pouvez m'en dans dire peut-être donc. Un petit peu plus, parce que nous sommes très curieux, nous aimons les chips. Je pense que tout bon citoyen mange des chips, donc... Ah bah voilà, tonton, t'as raison. Souviens-toi du procès où la personne s'est touchée avec une chip. Oh là là. Attends, tu te souviens, Sterling? Attends, la personne... pas, je reviens parce que là, je rêve. Bien sûr. Oh là là, je me souviens, moi, écoute ma petite Effie, une petite histoire que je vais te raconter là. Figure-toi que... À mourir de rire. Vous voulez pas qu'on aille un petit peu plus loin? Mais bien sûr, on me suit. Mais en tout cas, quelqu'un... Attends, je finis mon histoire, Effie, parce que vraiment, c'est vraiment à mourir de rire. Oui, je t'écoute. Alors, figure-toi une chose, c'est que on avait une histoire d'un serial killer, d'accord, vendeur de drogue, d'amphétamine, voilà, pour être un petit peu plus précis. Ah, une personne fort sympathique, quoi, du coup. Pas vraiment, Effie. Ah, non, et bref, on devait le protéger, et figurez-vous qu'il nous a fait croire à nous qu'il était vendeur de chips. Oh là là, qui fabriquait des chips. Mais c'était totalement dingue, hein. Oh là là, on a rigolé. Alors, mais s'il y a bien un métier à pas choisir, c'est quand même fabrication de chips, hein, quand même. Ah, je pense que JJ aussi a trop fumé, du coup. Il a trop fumé, mais voyons. J'en pleure, Cooper. Mais je comprends. Tiens, tenez, monsieur Sterling, tenez, prenez ce petit mouchoir qui est dans ma poche. Hop, comme toujours, évidemment. Bah, on va peut-être essayer de manger un petit truc, non? Allez. Oh, attendez, il y a un ami à moi qui est juste là. Oh, vous avez beaucoup d'amis, celle-ci, dis donc. C'est bien, avoir une bonne
une vie sociale, mon cher Cooper, c'est important. C'est... Ah, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, je te présente mon tonton, du coup. Bonjour, messieurs, enchanté. Je m'appelle Rick Cooper. C'est des amis que j'ai rencontrés quand je faisais du golf. Ben, enchanté, messieurs, je suis Marty Sterling, avocat au gros barreau, accompagné de mon collègue Rick Cooper, avocat sûr, lui-même au gros barreau. Et si d'ailleurs, un de ces quatre, vous avez besoin d'un bon avocat, je vous conseillerais de venir nous voir. Nous faisons plutôt bonne affaire. Un excellent travail. Hein. Nous sommes des passionnés de la justice et du code pénal. Bien sûr. Ok, claro. Bon, écoutez, je crois qu'on n'a pas trop le temps là, tu vois. Claro. Et puis, faut que je discute avec toi, faut que je te vois. Dis donc, cette personne me paraît bien impolie, non? Oui. Un petit peu. Regarde-moi, t'as dit quoi? Je suis impoli, moi, tu veux que je te dis que ta mère? Oui, bonjour, messieurs. Écoutez, ma mère est morte. Vous pouvez toujours essayer, mais enfin, je sais pas si vous allez prendre beaucoup de plaisir. Partout, tu parles à mon tonton, là, calme-toi. Oui, messieurs, ça sert à rien d'être dans. Et lui, il t'a mis dans la merde, ce tonton, allez bien. Non, mais c'est pas dans la merde. Quoi? Il est un petit peu bizarre, ce monsieur. Monsieur Sterling, je ne comprends pas du tout. C'est pas mon père, c'est mon oncle. Je ne comprends pas du tout. Ah, mais peut-être qu'il a compris. Bref, c'est quoi votre numéro, là? Parce que moi, ça peut m'intéresser, moi. Monsieur Sterling, je te laisse donner le numéro. Bien sûr. Attendez, je me pose ma main. Bonjour, on peut vous aider, messieurs? Vous pouvez circuler, s'il vous plaît? Vous pouvez peut-être m'aider, oui. Écrit police sur votre gilet. Monsieur le commandant, ouais. faut que j'utilise un truc, là. Ah, ok, mes attroupements devant le commissariat sont interdits, s'il vous plaît. Bah, monsieur Sterling, c'est donc la personne qu'on cherche. Ah, mais parfait. Vous cherchez? Oui, monsieur. Monsieur le commandant, on vous cherche. Pourquoi? Nous venons donc d'arriver en ville. On aimerait se présenter. Nous sommes deux avocats au gros barreau. Et nous aimerions discutailler. Et par la même occasion, figurez-vous que nous avons rencontré une personne qui dit avoir des problèmes avec vous, la police. Voilà. D'accord. Des problèmes très graves, monsieur. Des problèmes très graves. Peut-être, je dirais même un peu tiré par les cheveux, d'ailleurs, mon cher Sterling. Je me permets. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah écoutez, vous voulez qu'on commence par quoi, monsieur? Il y a une plainte qui a été déposée contre moi? Oui, enfin, c'est pas vraiment une plainte. Je crois qu'on essaie de... Ah, monsieur Soulax. Oui, tout à fait, c'est lui. Excusez-moi, est-ce que là, on peut circuler? Parce que là, je suis en train de m'énerver. Non, mais je suis pas un avocat. Je vous rappelle. Venez, monsieur Sterling. Non. Je te vois plus tard, tonton. Oui, Effie, pars pas trop loin, Effie. Oui, on a reçu un appel d'un agent de police qui a besoin de nous servir. Oui. Bah oui, je ça a l'air très actif. Pour notre premier jour. C'est très bizarre, un petit peu ici. Oui. En tout cas, on a des premières affaires plutôt intenses.